Salut à tous les pilotes et bienvenue dans les Dangerous pour une vidéo qui s'appelle 5 minutes pour utiliser l'intercepteur FSD. Donc l'intercepteur FSD s'utilise uniquement en super cruise. Il faut que vous soyez derrière votre cible et si possible pas trop loin et pas trop rapide. Donc là on va décélérer un peu. J'ai attribué mon intercepteur FSD à un groupe d'armes et je vais l'utiliser comme si c'était un canon ou un laser. Et je vais tout simplement, quand je serai suffisamment prêt, enclencher le FSD. Allez, c'est parti, je tire. Donc là, je suis passé en mode mini-jeu FSD, que vous connaissez si vous vous faites vous intercepter, parce qu'il faut que vous gardiez la barre bleue, il faut que vous essayiez de gagner la barre bleue pour éviter l'interception. Ben là, c'est pareil, on va essayer de maintenir la cible dans mes 12 heures. Pour maintenir la barre bleue qui est à gauche plus haute que la barre rouge et gagner le mini-jeu pour faire sortir ce Diamondback Explorer du FSD. C'est chose faite. J'ai donc gagné le combat, mais comme j'étais un peu rapide, eh bien j'ai perdu un petit peu de coque. Mais comme la cible est recherchée, je n'ai pas touché d'amende. Eh bien, le FSD, c'est pas plus compliqué que ça. Vous attribuez un groupe d'armes. Ce groupe d'armes, bah, pour moi, c'est le même que les lasers et les multicanons. C'est Vertel, le commandeur Vertel, qui m'a donné cette astuce. Elle est pas idiote, puisque de toute façon les armes ne peuvent pas être utilisées en super cruise. Et maintenant, eh bien, que je suis en mode vol normal, je vais utiliser mes armes sans être obligé d'utiliser le FSD qui ne fonctionne qu'en super cruise. Sachez que le FSD a une portée. Je rappelle qu'il faut se trouver derrière la cible, qu'il ne faut pas aller trop vite, et qu'il est quasiment indispensable depuis la version 1.3, puisque depuis cette version, eh bien, les cibles que vous devez trouver, par exemple les pirates que vous devez tuer ou les cibles à assassiner, se trouvent normalement toutes en super cruise, ce qui évite de faire ce qui se passait avant la 1.3, c'est-à-dire de sauter d'USS en USS, de source du signal identifié en source du signal identifié. Eh bien voilà, je vais vous laisser là avec eh bien, les fesses de ce Diamondback Explorer, qui est recherché, qui vaut au bas mot 33 000 crédits, donc je vais pas me louper. Évidemment, je vais le faire. Donc, je vais commencer par le scanner pour faire bien mon travail. Tu vas pas t'en sortir, mon pépère. Et évidemment, je vais me battre. Sur ce, je vous laisse avec ces images et j'espère que ce petit cours sur le FSD vous a été utile, puisque c'est une question qui, effectivement, est devenue très récurrente sur les forums, et c'est bien normal. Je vous dis bon vol à tous, soyez prudents.